Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de sauter d'un plongeoir. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici à côté de Connect Cross World, donc au point 0. Donc juste ici, il y a un plongeoir, donc vous vous rendez exactement à cet emplacement. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit plongeoir que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser le défi. Donc regardez, ici il y a un plongeoir. Ce que vous faites, c'est que vous rebondissez dessus et vous sautez dans l'eau. Boum. Donc là, vous aurez utilisé un plongeoir. Donc il est marqué qu'il faut l'utiliser 3 fois. Après, est-ce qu'il faut utiliser 3 plongeoirs différents ou est-ce que ça fonctionne avec 3 fois le même plongeoir? Donc je ne sais pas, donc essayez de sauter 3 fois avec le même plongeoir. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra sauter avec 3 plongeoirs différents. Donc je vais vous montrer d'autres emplacements de plongeoirs. Comme ça, vous aurez la possibilité de réaliser le défi si ça ne fonctionne pas avec un seul plongeoir. Alors regardez, juste ici... Donc là, il y a le premier plongeoir, voilà. Et juste ici, il y a un deuxième plongeoir. Donc ce que vous faites, c'est que vous détruisez le coffre, hein, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà, vous détruisez le coffre et ensuite vous utilisez ce plongeoir pour le faire une deuxième fois. Et là, je vais vous montrer l'emplacement du troisième plongeoir. Alors le troisième plongeoir est juste en face. Regardez, il est juste là. Donc il y a un plongeoir là-bas, plongeoir là, et il y a un troisième plongeoir juste ici. Donc pareil, vous cassez le coffre et ensuite vous utilisez le plongeoir pour la troisième fois, comme ceci. Et là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace. I'm me, bruh.